Et bonjour à tous, c'est Seb. Il y a eu un problème à Nice, apparemment. Je sais pas du tout de quoi il s'agit, je sais pas. Il paraît qu'il y a un camion qui a roulé sur des gens. Bon. Ben oui, bien sûr, prenez-moi pour un con aussi, je sais exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un putain d'attentat à Nice. Il y a plus de 80 morts, c'est le bordel, youpi. Je suis un peu saoulé de voir ça. Alors déjà, les médias en font beaucoup trop. Parce que j'ai regardé le... Sans vous mentir, il est quelle heure? Il est 13h46. Et j'ai regardé le 12-13 de France 3. Pas pour la présentatrice d'ailleurs, hein, ça c'est un peu con. Qui était une édition spéciale. Et pendant une heure, France 3 arrive à vous parler d'un seul et même sujet qui est l'attentat de Nice. En vous répétant pendant une heure la même chose. En gros, si on résume, un chevret, un attardé mental... qui s'appelle un terroriste, donc, a pris un camion. Vous savez, ce genre de petit camion, comme ils ont les sociétés de livraison. Ah, super, placement de produit, petit forestier, youpi. Eh ben non. Non. En gros, le gars a pris le contrôle de ce foutu camion, et hier soir, quand il y avait le feu d'artifice à Nice, pour le 14 juillet, le gars a tout simplement donné un grand coup d'accélérateur, et il a foncé dans les gens. Il y a un truc que je comprends pas bien, c'est comment les gens n'ont pu pas entendre le bruit du camion, alors que ce genre de camion, c'est le truc qui fait le plus de bruit au monde. Comment on peut me dire qu'ils n'ont pas entendu le camion? J'ai du mal à comprendre. Et donc il y a eu plein de morts, 80 morts je crois, un truc comme ça. C'est un scandale, c'est réellement le bordel. Donc voilà, je voulais quand même, pour passer pour un être normal, je vais quand même exprimer mon soutien, un message de soutien aux familles de victimes. Voilà, il y en a qui ont retrouvé leurs proches, j'ai rien à dire là-dessus, mais ceux qui ont des gens qui sont morts, malheureusement, là j'y peux rien du tout. Voilà. Donc hashtag préfornis, je l'ai mis dans la description, me demandez pas pourquoi. Et on est de tout cœur avec vous, comme on était tous ensemble pour Paris. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre. On est au 21e siècle, je me demande encore comment ça peut arriver ces conneries. Ah, j'ai rien d'autre à vous dire, je sais pas, vous avez quelque chose à me dire, je sais pas. En tout cas, la discussion est ouverte, je laisse les commentaires ouverts, ok, hein. Donc on est là pour se parler, on n'est pas là pour se faire les guerres. Drapeau blanc, donc. C'était Seb, et n'oubliez pas le hashtag PrayForNice. Au revoir.